chez Lilian. Donc, demain, c'est férié. Petit tour à Belfort, ça fait toujours du bien. Je ne vous ai pas fait beaucoup de pub parce que je suis très occupée. Voilà. Je suis trop occupée. Hein. Trop occupée, pardon. Et connectez-vous, c'est très important de parler avec vous. Vous allez bien? Moi, ça va. Hé, le fiston. Ça va? Je vais bien. Oh, la chacha de Paris. La bourgeoise de ma famille. Oh, la grande soeur Maggie, je vous aime. Voilà, je suis habillée en tailleur. Voilà, voilà, sac Armani, tailleur. Voilà, tout ça c'est important, c'est la bourgeoisie. De très belles jambes. Eh, la soeur de quelqu'une qui valide les jambes. Les jambonneaux. Voilà, je tenais à vous faire coucou. Moi, je vais très bien. Comme d'hab, ceux qui me connaissent déjà. Eh, ma soeur bourgeoise, la bourgeoisie, c'est un état d'esprit. On ne discute avec personne sur ça. Nous, on est dans la bourgeoisie pure. C'est là où les parents nous ont laissé. L'état d'esprit de ça. Voilà, et je t'avance ma soeur. J'ai vu le café resto, qu'est-ce qu'il est beau, le bourgeois. Inch'Allah. Tu viendras à Abidjan. Moi-même, je suis une Ivoirienne, je ne vois pas bien. Voilà, je tenais à vous faire coucou pour vous dire que la bourgeoisie, c'est un état d'esprit. Sac Armani, robe, comment ça, nulle part ailleurs. Collier d'autres. Oui, c'est quand je parle avec vous. La beauté. Hé, est-ce que tu vois la coiffure de ça? La coiffure, je me mets debout, mes soeurs même sont là. Mes bourgeoises sont là. Eh, la terre. La matière est slim. Quand on vous dit personne n'écoute. La coiffure de l'heure, les lunettes de l'heure, le corps de l'heure, la bouche de l'heure. C'est le lait, ma babidou. Merci encore à Esther Goyaga. Pour la belle coupe de cheveux, moi j'aime. C'est vrai que ça exprime vraiment mon âge. L'autre est trop jeune. Vous savez, quand vous me dites que je ressemble à une fille de 20 ans, ça m'énerve. La mèche de ça, la coiffure de ça, la coiffeuse de ça, Ngoyaga. Angonda Mengueswe, Oyelam. La mèche de ça. Quand vous me dites que je ressemble à une femme de 20 ans, pour vous dire la vérité, ça m'énerve. 51 ans, ce n'est pas 50 jours ou 51 jours. C'est des années. Les jambes de l'heure, les doigts de l'heure, les bagues de l'heure. Les gens veulent jouer avec la bourgeoisie. Non, c'est un état d'esprit. Je ne sais pas. Eh, la terre, si. Je suis toujours avec ma DG. Mon bras droit. C'est-à-dire, je vais parler du relationnel. Les Camerounais n'aiment pas voir les gens heureux. C'est-à-dire que Dieu m'a donné une fille, une sœur Douala. Quand on était à l'école à Daido, est-ce que vous étiez là? Quand on s'y est, on est bon à ma tombe, Yemingabe. Vous n'aimez pas voir les gens heureux. J'ai mes soeurs de très longue date, comme Chacha la bourgeoise. On n'avait même pas encore les seins. On était des soeurs. Pourquoi vous ne voulez pas voir les gens heureux? J'ai ma soeur la Rosalie et Somba. On n'avait même pas les seins. On partageait les beignets à l'école primaire. Jusqu'aujourd'hui, c'est ma famille. Ce sont elles qui vont m'enterrer. Quand vous me voyez avec ma soeur Caliste, ma DG, elle roule en Porsche, j'en profite. C'est normal. Pourquoi ça doit choquer les gens? Et maintenant, elle a une Jaguar, j'en profite. Comment? Je ne vais pas profiter comment? La vie, c'est la chance. J'ai une autre petite soeur là. Antoinette, elle me prépare le caviar, tout, j'en profite. Pourquoi vous êtes comme ça?
temps maintenant, mais j'en profite. Lilian, mon amboka, c'est comment? Pourquoi les gens, vous êtes comme ça? Je suis en train de grossir, mais j'en profite. Je suis une femme divorcée. J'ai beaucoup souffert dans mon mariage. Hein. Vous voulez les détails? Vous voulez les détails? J'ai trop souffert. Maintenant, je suis heureuse. Entourée de mes soeurs qui m'aiment, avec les beaux-frères. Je me pavane, je grossis. Mais j'en profite. La vie, c'est la chance. Quand je souffrais là, j'étais laide, avec une grosse tête, les maigres pieds. Oui, là, vous étiez content. Oh, elle souffre. Il y a même les gens qui faisaient les vidéos pour dire que je suis malheureuse. Maintenant, j'ai les sacs Armani. Mais j'en profite. Vous voulez quoi? Vous voulez. Ma fille Karine, bonjour. C'est ta tante. J'ai déjà grossi. Si je me lève là, je te dis, c'est dangereux. Hein? Mais j'en profite. Dès que vous voyez quelqu'un avec moi, vous voulez bien saboter la personne. Vous avez cru que je suis crédible. Hein? Je suis fréquentable. Hein? Les Isokoloko, des pauvres filles Douala qui veulent me saboter. Si vous voyez votre soeur Douala venir maintenant côtoyer une fille de Bolimbam, ça veut dire que je suis crédible. Vous voulez saboter quoi? Vous ne pouvez pas me saboter. Ne salissez pas ce qui est propre. Je suis née dans la bourgeoisie. Ma bouche est bourgeoise, le nez bourgeois. Vous avez vu, le nez si est facile. Hein? J'ai les belles soeurs qui sont au Canada. Hein? Le commissaire principal à Mombon vous salue. À Mombon Barga. C'est des relations de très longue date. Quand je dormais dans la maison, est-ce que vous étiez là? Vous voulez discuter quoi? C'est ça maintenant. Il donne les détails. Hein? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça là? Je mange la raclette à toutes les positions quand je veux. Ce soir, c'est du porc braisé. Avec des frites, comment ils appellent ça? Michael Kine. Mais c'est Michael Kine. Les lunettes de ça, c'est des rebandes. C'est pour les bourgeoises. Il faut demander à vos voisins. Demandez même à Chacha. Comment? Pourquoi vous faites comme ça? Vous voulez saboter. Vous sabotez les gens qui sont nés VIP. Hein? Vous voulez, je suis née VIP. Tout ce qu'elle fait aujourd'hui, là, mon père entend ça, il ne va même pas douter. Parce que lui-même, il avait déjà mis sur le sérail que je suis née comme ça. Là. Je marche avec les vraies filles. C'est les vraies Camerounaises, je suis avec elles. À toutes les positions. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Je suis Choco. Comment? Je porte une robe VIP. Si je me lève maintenant, les gens qui sont mal battus dans l'opposition vont encore commencer à paniquer. Je suis prête jusqu'à. Je croise les pieds, non? Le corps est VIP. Je suis. Hein? Vous voyez que Armani, il pense à moi comme ça, il me fait des petits sacs de qualité comme ça. Amazon, c'est ma petite soeur. Ma tague, ma douane. J'ai des vraies petites soeurs comme Amazon, les stars. Vous voyez que Armani m'a passé la commande. J'ai passé la commande chez Armani, un petit sac comme ça là. Il a livré. Si vous donnez le montant, vous allez avoir mal au ventre. Donc, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas envie de vous choquer. Ma DG roule en Jaguar. Je profite. À toutes les positions. Vous avez cru que je vais marcher avec les filles qui n'ont pas de voiture. Je fais quoi avec vous? Je marche avec les filles qui ont des voitures. Maintenant, même elle a une moto. Vous avez vu la bécane, non? Je me suis. Merci ma fille. Je me suis métamorphosée. C'est-à-dire que il y a les mariages ici dehors. Évitez de faire la qualité que j'ai fait. Quand vous êtes marié, tant que vous n'avez pas divorcé, le sang de l'homme vous poursuit partout. Moi je disais que non, je l'ai déjà quitté. Je vais. Non, le sang me suivait depuis qu'on m'a donné le divorce en main. Je suis heureuse. Vous voyez des coiffures de stars comme ça là. Une cinquantaine de mèches. On me fabrique ça. C'est beaucoup d'argent. C'est le lait pour avoir la coiffure ici. Ngoyaga, elle est bassa. Hein? Un port bassa. Elle dit que la maman si. Je mets un peu mon argent sur elle. Vous croyez que c'est le lait? C'est le travail. Je ne cherche pas les problèmes. C'est les gens qui vont.
me chercher les problèmes, comme aussi, il a dit que je ne vous laisse pas. Je vais sortir la tronçonneuse. Et j'ai bien sorti ça, vous avez confirmé, non? Vous avez confirmé, non? Quand la matin, je dis que je lave quelqu'un. Halawela. Même porte, je te porte. C'est-à-dire, toi-même, tu confirmes, tu dis que la femme, s'y m'a parlé. Vous sabotez pourquoi? Amazon dit que. Oui, Amazon, c'est ma. Oh, c'est ma personne. C'est même pas la peine de saboter Amazon chez moi. Non, 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 non. À toutes les positions. Dans les gens qui créent les motifs. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Les gens nous demandent de prouver ce qu'on sait faire. C'est là où on est. Je dis que les gens nous demandent de prouver ce qu'on sait faire. J'ai dit que j'ai une belle peau. Je zoome comme ça là. Vous-même vous confirmez. C'est-à-dire le Camgo n'est jamais passé à côté de chez moi. Le Camgo vient chercher quoi. Je me lave 16 fois par jour, c'est le lait. J'ai dit 16 fois par jour, je me lave à toutes les positions. C'est le lait. Quel argent? Donc je peux marcher avec une femme qui roule en Jaguar, je souffre. Vous-même, vous voyez la qualité de sœur que Dieu m'a donnée, non? Et toutes mes sœurs sont belles comme ça, là. Je peux marcher avec elles, je souffre. Je mange, je bois. À toutes les positions, je suis assise comme ça, là. Le beau-frère donne seulement que... Là, tu as déjà trop souffert dans la vie avec le mauvais mariage que tu avais fait. Diaby dit. Évitez les gars poisseux du Cameroun, hein. Il y a encore les vrais gars au Cameroun. Même le sang est falsifié, c'est trop compliqué. Je souffrais. Bon, ce soir, je vais vous raconter une histoire. C'est un chanteur qui m'a écrit. Demandez à Dieu la peau de lune. C'est un chanteur qui m'a écrit. Il dit que comme les femmes les sabotent beaucoup, lui aussi va raconter son histoire. Parce que beaucoup de chanteurs sortent avec les femmes de Wata. Pour la nourriture, pour l'argent de taxi, des petits besoins, quoi. Non, ben, il n'est pas facile. Hein. Le voilà, il sortait avec la femme d'un Wata. Une femme avec la femme du Watt sans condom dans tout ça. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Une femme est mariée, tu couches avec elle sans condom. Ce qui devait arriver, arriva. L'enfant est boublon. Le Watt voit le ventre grossir. Lui, il dit que c'est son enfant. Il n'avait pas d'enfant avec la femme. Il commence même, il achète les pommes à la femme tous les soirs pour qu'elle mange les pommes, pour nourrir son enfant qui est dans le ventre. Prenez les popcorn parce que ça va être serré tout à l'heure. Quand on va chanter Wam Singa, parce que là, l'histoire là est trop dure. Le chanteur camerounais a commencé à bourlinguer les affaires d'un blanc. Il y a beaucoup de chanteurs comme ça qui sortent avec les femmes des blancs. Ils disent qu'ils ont la quéquette. Quelle quéquette? Quand quelqu'un a un morceau de quéquette d'un garçon de 12 ans, il vient nous déranger qu'il a la quéquette. Quelle quéquette? Pourquoi c'est le truc que les gars ont ici dehors? Les mambas? Quelqu'un sort... J'ai pas envie de donner les détails à les enfants qui me suivent. Donc le chanteur camerounais a enceinté, parce que c'est le mot, enceinté la femme d'un blanc. Le blanc ne fait que nourrir la femme, il dit que c'est son enfant qui est dans le ventre. Ce qui devait arriver, arriva. 9 mois plus tard, la femme accouche à l'hôpital. On demande aux gens de sortir. La femme flatte le médecin que je ne veux pas que le père assiste à l'accouchement. Le blanc dit que c'est moi le père. On dit qu'attends encore. Donc la fille savait qu'on ne sait jamais. Parce que le noir, c'est le noir qui faisait beaucoup plus l'amour que le blanc. Donc on ne sait jamais la honte que le blanc s'il va venir avoir devant les sages femmes ici là. Le blanc était dehors avec sa maman. On voit seulement les pieds noirs. Parce que ça ne trompe pas. Mokolma vine manga que oui. Hey. Oui. Non, ça va aller. Elle a la parole, hein. Quand la tête est sortie avec les cheveux des noirs, hein. Même le médecin dit que, oups, oups. On a surnommé l'enfant là que, oups, oups. Mais la tête est sortie. Les yeux du chanteur. La tête du chanteur, les oreilles du chanteur. La bouche du chanteur. La mère du gars dit seulement, l'enfant est sorti noir. L'enfant est sorti noir. Ce que les chanteurs camerounais font aux femmes de Trouville ici dehors. Vous allez parler avec Dieu. Hein? Faites les neuvaines.
le chanteur camerounais a enceinté la femme d'un blanc. L'enfant est sorti noir, plus noir que le charbon de Mokolo. Le médecin dit que, ouf, c'est quelle qualité. Comment on fait alors pour annoncer au propriétaire du dossier? Mais vous savez que quand on a déjà attaché un blanc à Kribi, non, noir c'est blanc. Noir c'est noir, il dit noir, noir c'est blanc. On dit que l'enfant c'est noir. Oh non, elle a le temps de... C'est sa mère qui est alors une sorcière. Elle dit non, ça c'est... Mais cet enfant ressemble terriblement et naïvement au monsieur qui habitait ici. Le monsieur a déjà fui, le chanteur a déjà fui. Et papa la nena pomeye, et papa la... Mbilme bon, il a déjà enceinté, il a déjà fui. La honte à l'hôpital. Mais les wolos sont durs. Hein. Est-ce qu'elle a honte? Elle sort même les yeux. Bébé, va m'acheter les huiles, va faire ceci. Le blanc qu'on a attaché à Kribi, Mbilme bon, c'est-à-dire, quand un homme est attaché, c'est quelque chose. Et si c'est alors le blanc? C'est alors terrible. Vous, les Camerounaises, vous êtes durs. Hein? C'est la photocopie. C'est-à-dire, l'enfant de l'adultère est quelque chose. Hein? L'enfant a pris le père à 100%. Les oreilles, parce que le chanteur-là l'a vu comme ça. C'est le même chanteur-là qui pleure dans les chambres des femmes. L'enfant l'a vu comme le père. L'enfant est sorti photocopie de la tête d'un Camerounais. On ne pouvait même pas dire que c'est le Congo, le Cameroun. La mère est venue dire que non, ça c'est vraiment, c'est dévastatrice, ça, vous avez abusé là. Mais l'enfant ressemble tellement au père, le monsieur qui mangeait la viande ici. Des mangeurs nés. Les chanteurs camerounais, quand ils mangent chez toi, tu sais, ils laissent l'adresse. Tu lèches les mains comment, qui t'a dit, ouais, tu ne peux pas manger chez toi. Tu manges chez les gens, tu lèches les mains. Vous riez même comment les enfants, je suis obligée de parler. Quand je dis les chanteurs, évitez de mettre les chanteurs de Bikutsi dedans. Il n'y a pas les chanteurs de Bikutsi dedans. Ce sont les chanteurs d'ailleurs. Cherchez-les dans d'autres tribus. Il n'y a pas les chanteurs de Bikutsi dedans. Parce que je ne veux pas les soupçons dans ma famille. Ne me soupçonnez pas dans la famille. Ce n'est pas les chanteurs de Bikutsi. Tous les chanteurs que j'ai cités là. Celui-là. Avait la tête comme 6 maisons et demie. L'enfant a aussi pris la grosse tête du père. Une autre de ses grosses têtes. Pour que la tête de l'enfant la sorte, la fille là se déchirait. C'est-à-dire que pour qu'on sorte seulement un côté de la tête, wak, on a encore sorti l'autre côté, wak. La fille dit, on a cousu la fille là comme un habit. Est-ce qu'elle s'est calmée? La bordellerie, c'est quelque chose, hein. C'est-à-dire quand tu es né pitain. Tu es pitain, ma fille. Tu m'entends? Tu es pitain. La pitain, on a cousu la pitain. Elle s'est calmée. L'enfant est sorti, elle avait la grosse tête comme 6 maisons. Vous riez même pourquoi? Ce sont les choses que vous faites ici dehors. On vient me dire, je raconte aussi. Puisque vous parlez pour moi. J'avais les poils, personne n'était au courant. Je cherchais même comment vous montrer mes poils. Vous avez publié sur internet, non? Maintenant, les hommes voient, oh, je veux aussi toucher la toundra. Je dis, Oh, j'ai aussi envie de voir la toundra. Je dis, ce que vous avez vu de Siba, il veut voir ça en vrai. C'est à cause de vous, non? Donc, pour vous aussi, je parle. Dès que je suis au courant, je parle vraiment. Le chanteur camerounais, là, ce n'est pas un bêtis. Il ne chante pas les bouts. Il a enceinté la femme du blanc. Arrivé donc au niveau du nom. C'est-à-dire le salopard, il enceinte les femmes d'autrui. Il veut donner le nom. Vous prenez le courage où? C'est la sorcellerie. Parce que quand vous quittez le village, vous dites que vous venez menacer les gens, même en France. On lui a dit, mais le nom, tu ne donnes pas. Est-ce que tu as fait le trousseau? On a donné le nom du blanc à l'enfant noir. Donc l'enfant noir porte le nom d'un blanc. C'est pour ça que vous allez croiser des gens ici dehors. Tu vois un enfant noir, il s'appelle carrément carotte. Carotte. Hein? Concombre. Les noms des blancs, on donne ça aux enfants noirs. La mère est noire, le père est noir. On te donne le nom de concombre, pourquoi? Mademoiselle Concombre. Mademoiselle, vous allez entendre ça dans les bureaux aussi. Mademoiselle Concombre. Concombre Isabelle. Carotte Karine. C'est quoi? Non, l'enfant porte le nom d'un blanc. Mademoiselle Concombre.
Mademoiselle Concombre Isabelle, pour soin, le père, quand il marche avec son père ici en route. Votre fils s'appelle comment? Isabelle est le vrai nom. Il est en train de balbutier. Ngeping. Comment ça Ngeping, le vrai nom? Il ne peut pas dire qu'elle s'appelle Mademoiselle Concombre parce que le Watt a dit que. Comment Mademoiselle Concombre? Je vois l'enfant, il m'attend que tu es noir. Il se balade avec l'enfant là. Il ne peut pas donner le nom. Mademoiselle Concombre Isabelle. Voilà les trucs que les Camerounais font par-ci par-là. Quand nous on vient passer après, on commence à nous soupçonner de tout. Oh, de malversations, alors que nous on est nés honnêtes. Je n'ai jamais volé un bonbon. Quand je prends, je ne vole pas. Si je prends un bonbon, tout de suite, c'est le vol. Mais il y a les gens qui sont spécialistes avec des petites mains pour voler. Donc, il y a un chanteur camerounais qui a sa fille qui s'appelle Mademoiselle Concombre Isabelle. C'est parti couiller la femme d'un blanc. Donc, le gars m'a dit de publier ça. Il veut égaliser. Parce que comme les femmes des chanteurs ont dit beaucoup de choses sur les chanteurs, lui aussi, il a dit que lui aussi, il a enceinté la femme d'un blanc. L'enfant s'appelle Mademoiselle Concombre Isabelle. Bonjour. Je suis là. Je ne fais que grossir depuis que je suis divorcée. Je dors bien. Mon divorce se passe très bien. Je suis très heureuse. Le temps même s'est renforcé. On m'a sollicité pour fabriquer les huiles maintenant. Hein. Parce que les jeunes filles veulent avoir un teint concombre. C'est le lait. Voilà les choses que les chanteurs, certains chanteurs font. Je dis que ce n'est pas les chanteurs de Bikoupsi. Ne soupçonnez pas mes frères. C'est les chanteurs d'ailleurs. Oh, ma belle-sœur, oh, Opeta, il y a ma belle-sœur Philo là, Philo et Aïla, merci pour les cœurs. Oh, Philo, j'ai porté la robe, oh, Philo, oh, département d'Indaba, toilette, ah, département, j'ai tout dans le dos, Philo, la beauté de ça, département d'Indaba, toilette, ah, je salue mon oncle André Marie Tala, mon oncle direct. C'est-à-dire, le Cameroun était bien avant. Hein. Je prie pour que le Cameroun ne revienne comme avant. J'avais les oncles à l'ouest, à l'est, partout, les oncles. André Marie Tala, mon oncle, les formes que j'ai maintenant. Avant décembre, je me marie, je vais vous inviter. Ça ne va pas être la rigolade. Avant décembre, je me marie. Je vais me marier avant décembre. Parce que j'attendais ma feuille du divorce là depuis. Pour divorcer. Donc, est-ce que vous savez que dès que le père a publié l'histoire, l'enfant même a contacté Mademoiselle Concombre. Elle est déjà grande. Mademoiselle Concombre Isabelle. Je lui dis alors que maintenant le nom que tu as cité, comment on va gérer ça au niveau du Cameroun? Elle aime le Cameroun, mais quand elle va prendre le visa, elle va dire que pas où. Là où même elle est en train de faire ses études. Mademoiselle Concombre Isabelle. Des fois on l'appelle, elle ne sait même pas que c'est elle. Parce que le nom, c'est dégueulasse. Alors que si on l'appelait Olinga, ou bien on l'appelait, je ne sais pas quel nom, Fotso, ou Endale. Elle est noire. Concombre, c'est compliqué. Bonsoir. Bonsoir. Moi, il y a non. C'est compliqué, non? Il y a le pain congelé, si tu veux, tu prends en photo. Donc, je tenais à vous faire cette petite derrière, virgule pour vous dire que je vous aime, je vous embrasse. Les gens qui me cherchent, je suis là. Je ne fuis personne. Je suis seulement occupée. Vous savez, quand tu viens de divorcer, je suis là, très amoureuse, voilà. Je vais bien. Ne me cherchez pas. Je suis plus du côté des divorcés là-bas. Je suis déjà ailleurs. Attendez seulement les billets d'invitation. Donc j'ai fini avec l'histoire du chanteur camerounais là. Je vous dis à bientôt. Hein. Ciao. Je ne vends pas, c'est congelé.